Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'horoscope pour le signe du Capricorne pour 2024. Alors, comme pour tous les signes du zodiaque, donc je vais faire un horoscope dit solaire, c'est-à-dire général, sur le signe en question, le Capricorne. Donc, c'est un horoscope qui prend en compte que le soleil de naissance, donc on ne prend pas donc, les autres planètes, parce que c'est selon votre thème personnel à vous. Donc, pour avoir un horoscope plus personnel ou détaillé, là, il faut consulter un astrologue. Et donc il faut vos coordonnées de naissance, date, heure et lieu de naissance. Donc là ça reste très général, donc il faut prendre ça avec recul, comme vous savez très bien le faire. Donc on va parler des trois décans. Donc j'ai commencé par le premier décan, ce sont les natifs nés du 22 décembre au 1er janvier, donc de manière générale, hein, selon les années, parce qu'il y a des années dites bissextiles, donc ça peut être décalé de 2-3 jours. Ensuite, le deuxième décan sont les natifs nés du 1er janvier au 11 janvier, de manière générale. Et enfin, les troisièmes décans sont les natifs nés du 11 janvier au 20 janvier. Donc voilà, donc je vais commencer par donc, les natifs premier décan du signe du Capricorne. Alors donc, je vais commencer par le premier décan. Alors, quelles seront vos influences donc, pour 2024? Alors, vous aurez votre soleil de naissance, donc qui fera un beau sextile à votre planète Saturne. Dans le signe des poissons, du 1er janvier au 2 mars. Donc là, pendant ces 3 premiers mois, vous avez un bon influx énergétique, bonne énergie pour bâtir, mettre à bien vos projets, de manière durable, concrète, pragmatique, de manière sérieuse. Donc, vous pouvez mettre vos projets en place de manière sans accroc, sans problème, a priori. Donc ça, c'est positif. Hein, alors, ça dépend dans quel domaine de vie que c'est. Hein, ça peut être dans le travail, mais pas que. Ça peut être établir des relations sérieuses, ça peut être dans la famille, dans les amours, certains projets de vie ou autres. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent vous combler, hein, qui vous tiennent à cœur, hein, certains idéaux à mettre en place. Et donc là, c'est favorable. Donc ça peut être pas favorable aussi qu'un homme, hein, pour une autorité, pour établir des relations sereines, sérieuses, constructives. Voilà, donc à suivre selon votre thème personnel. Ensuite, Soleil trigone à Jupiter en taureau du 1er janvier au 21 février. Donc là, encore une fois, très bonne influence pour ce qui est de l'épanouissement, de pouvoir avoir des opportunités, avoir des choses qui vous rendent heureux, qui vous rendent satisfait. Il y a quelque chose de très enthousiasmant à faire hein, dans certains domaines. Alors dans le taureau, ça peut être dans tout ce qui a rapport avec le matériel, il peut y avoir des opportunités dans ce domaine-là. Ça peut être sur le plan de la nourriture aussi, par exemple, les biens terrestres. Ça peut être dans d'autres domaines de vie, selon votre thème. Donc il y a des choses qui se mettent en place de manière importante et qui vous rendent optimiste et beaucoup plus jovial à ce moment-là. Ensuite, vous avez le Soleil quinconce Jupiter en Gémeaux du 26 mai au 9 juillet. Donc là, ça peut donner une petite difficulté cette fois-ci. Alors là, plus dans le sens un peu d'excès, un peu d'aisance. On se sent un peu trop suffisant, peut-être trop orgueilleux, peut-être un peu trop dans les échanges, dans les déplacements aussi. Il peut y avoir des légers excès dans ces domaines-là qui peuvent être faits, mais ça reste mineur. Ensuite, Soleil conjoint Mars en Capricorne dans votre signe donc du 5 au 18 janvier, donc en début d'année. Donc bonne énergie pour battre un travail, pour aller jusqu'au bout de vos objectifs, d'être persévérant, sérieux, de porter le poids des choses sur votre dos et d'y aller jusqu'au bout. Vous êtes endurant, persévérant, donc là c'est vraiment un très bon aspect pour agir de manière sérieuse, concrète, efficace dans ce que vous voulez entreprendre. Donc, ça peut être dans le travail, mais aussi dans d'autres domaines de vie. Soleil sextile Mars en poisson ensuite, hein, du 23 mars au 5 avril, donc très bonne énergie pour agir en fonction de vos idéaux, de vos inspirations, de votre intuition, donc n'hésitez pas à mettre à profit toutes ces énergies, car vous serez très bien aidé, donc beaucoup d'énergie pour agir, hein, pour faire plein de choses, dans ce qui vous tient à cœur. Ensuite, Soleil carré Mars en bélier du 1er au 14 mai, donc là en revanche, attention à la tension nerveuse, au risque de querelles, de disputes, de conflits d'ego, il risque d'y avoir des mésententes, des désaccords, donc attention, parce que là, Mars en bélier, il est en domicile, donc c'est une action franche, directe, et vous qui êtes plutôt d'un naturel plutôt prudent, réservé et taciturne, vous pouvez être déstabilisé à ce moment-là, donc attention à ce qui peut vous tomber dessus ou ce que vous pouvez entreprendre. Ensuite, Soleil trigone Mars en taureau du 10 au 23 juin, donc là en revanche, une très bonne énergie pour agir de manière concrète, stable, durable,
dans des, voilà, dans divers domaines de vie, hein. Ça peut être au niveau pragmatique, financier, amoureux ou autre. Mais voilà, il y a de bonnes influx qui se mettent en place énergétiques pour agir dans tel ou tel domaine de vie. Alors, le taureau représente souvent l'aspect matériel des choses, hein, dans le domaine financier et matériel, mais pas que. Donc à voir selon votre thème, mais voilà, c'est une bonne énergie à ce moment-là. Ensuite, Soleil quinconce Mars en Gémeaux du 21 juillet au 4 août. Donc là, en revanche, attention à la légère tension au niveau communicative, des échanges, la communication, les déplacements. Il peut y avoir des actions que vous voulez mettre en place. Alors beaucoup d'idées ingénieuses ou intelligentes, malicieuses, ou voilà, à mettre en place, mais qui sont pas toujours bien. Il y a peut-être des choses à revoir, ça peut pas toujours être fait comme vous voudrez, il y a peut-être des petits accrocs. Voilà, ça peut être des choses comme ça, il peut y avoir des petites mésententes dans les discussions, dans les proches, les voisins, mais c'est pas forcément dramatique. Ensuite, Soleil opposé Mars en Cancer du 5 au 23 septembre. Donc là, attention en revanche, en cette rentrée qui risque d'être un peu plus compliquée, on risque d'être un peu plus sur les nerfs, c'est la rentrée, la fin des vacances, il faut se remettre au travail, peut-être il y a les enfants, il y a des choses avec la famille à régler, donc c'est peur des erreurs émotionnelles, des conflits émotionnels, on peut agir avec peut-être trop, voilà, un peu plus d'émotions qu'à l'habitude, donc on peut être aussi attaqué envers voilà, des choses de la famille qui peuvent nous faire des reproches, puis avoir voilà, des choses qui font que on n'est pas toujours d'accord, donc ça crée des tensions. Ensuite, Soleil quinconce Mars en Lion du 5 novembre au 31 décembre, donc là c'est plutôt pareil, une énergie un peu en demi-teinte. Peut agir avec conviction, générosité, cœur, mais il peut y avoir des petites choses à revoir. Hein. Alors ça peut être en amour, mais ça peut être dans d'autres domaines de vie. Donc il peut y avoir des petits conflits d'ego là encore, mais c'est léger. Et enfin, Soleil carré nœud nord en Bélier du 25 juillet au 31 décembre. Donc là, ça peut créer une certaine difficulté pour s'affirmer sur son chemin de vie, être plus indépendant, autonome. Il y a une notion où aller de l'avant, être un leader peut vous. Parfois, peut-être vous prendre à rebrousse-poil, hein, donc à voir un peu comment vous allez gérer cette partie de vie, ce deuxième semestre où vous serez peut-être un peu en difficulté dans certains domaines de vie, où vous aurez besoin peut-être de vous affirmer plus. Donc voilà pour les premiers décans du signe du Capricorne. Alors ensuite, les natifs nés, donc second décan du signe du Capricorne, donc quelles seront vos influences pour 2024? Alors vous aurez votre soleil qui sera trigone à Uranus en taureau du 1er janvier au 13 mars. Donc ça c'est un très bon aspect pour vous démarquer, pour vous sentir plus libre, pour sortir des sentiers battus, pour revendiquer voilà, certaines différences, certaines libertés en fait. Hein. Donc vous vous sentirez beaucoup plus libre à cette période. Donc il y a des choses peut-être originales aussi qui se mettent en place dans votre vie à ce moment-là. Ça peut être sur le domaine matériel, financier, mais dans d'autres domaines de vie, en amour ou autre. Ensuite, vous aurez Soleil sextile Saturne en Poisson du 2 mars au 31 décembre. Donc ça, c'est un bon aspect pour bâtir certains projets de vie. Donc Saturne, c'est votre planète, hein, donc c'est un aspect important. Donc il y a des bonnes choses qui se mettent en place pour vous de manière concrète, durable. Surtout si Saturne est direct, hein, par rétrograde, à ce moment-là. Donc il faudra le faire à cette période. Mais voilà, c'est un aspect pour concrétiser certains idéaux de vie, certaines choses que vous idéalisez, qui vous tient à cœur. Donc très bonne période, hein, très bonne année par rapport à ça. Soleil trigone Jupiter en taureau du 22 février au 14 avril, pareil, très bon aspect pour des opportunités, pour vous sentir beaucoup plus en joie, enthousiaste, avoir de la gratitude, avoir des opportunités financières, matérielles, mais pas que, peut-être au niveau affectif. Vous sentir beaucoup plus, voilà, plus sérieux, puis en même temps très, très enjoué, très, voilà, très enthousiaste dans tout ce que vous voulez faire. Soleil quinconce Jupiter en Gémeaux, ensuite du 10 juillet au 10 septembre. Donc là, à force d'être peut-être trop bien dans ses baskets, ben, peut-être on peut en faire trop. Donc il peut y avoir un peu d'excès, notamment dans les discussions, les échanges, les déplacements. Donc ça peut être un peu trop de suffisance, être vaniteux, orgueilleux dans le pire des cas. Mais voilà, c'est un petit aspect mineur. Donc voilà, on peut être un peu dispersé à ce moment-là, mais c'est pas méchant, c'est pendant l'été. Ensuite, Soleil conjoint Mars en Capricorne du 18 au 31 janvier. Donc voilà, très bonne énergie en début d'année pour agir avec sérieux, pragmatisme, persévérance, endurance. Donc vous arriverez à atteindre vos objectifs, quelles que soient les difficultés qu'il y aura devant vous. Donc très bonne énergie
à abattre dans ce domaine-là. Donc, n'hésitez pas, ça peut être pour le travail, mais dans d'autres domaines de vie également. Ensuite, Soleil sextile Mars en poisson du 5 au 18 avril. Donc, très bonne énergie, encore une fois, pour agir, pour là, c'est vos idéaux, pour vos rêves, pour mettre peut-être en pratique certaines causes qui vous tiennent à cœur. Donc, agissez avec intuition, vous serez bien aidé à ce moment-là. Hein. Beaucoup de flair et d'intuition. Ensuite, Soleil carré Mars en bélier du 15 au 26 mai. Donc là, attention en revanche au risque de tension, de querelle, de conflit d'ego. On peut voilà, avoir une action franche qui peut nous rentrer dedans direct, assez déstabilisante. Donc soyez attention, alerte à ce moment-là, de ne pas rentrer dans des rapports avec l'autorité ou avec des conflits trop, voilà, trop de s'emballer trop vite. Ensuite, Soleil Trigone Mars en Taureau du 23 juin au 6 juillet. Donc la très bonne énergie pour agir avec pragmatisme, avec entrain, enfin avec des choses voilà qui nous tient à cœur sur le plan matériel, peut-être financier ou autre. Mais voilà, l'énergie pour produire, être productif. Donc signe de terre tous les deux, donc très très bien pour le travail, pour faire des choses concrètes. Donc là, c'est bien. Soleil quinconce Mars en Gémeaux ensuite du 5 au 19 août. Donc là, légère tension à nouveau, peut-être dans les idées que vous voulez mettre en place, qui peuvent être mal perçues, mais à l'accepter. Il peut y avoir des conflits avec des voisins, des proches, par exemple, mais pas que. Ça peut être dans la discussion. Il peut y avoir des petites choses à revoir pour se faire comprendre, pour agir comme vous le souhaitiez, ou pour se faire con pour voilà pour éviter des conflits dans tous les cas de figure si possible. Soleil opposé Mars en Cancer ensuite du 23 septembre au 12 octobre. Donc là, attention cette fois-ci, fort risque de tension au niveau émotionnel. Hein, ça peut être dans la famille, le rapport avec les proches. Il peut y avoir un côté un peu blessant, un peu vindicatif. On peut être querelleur, des disputes là, de famille par exemple, mais pas que. Donc on peut voilà, attention à agir en fonction de comment vous ressentez les choses, parce que ça peut être un peu compliqué. Ensuite, Soleil Trigone Lune Noire en Vierge du 1er janvier au 31 mars. Donc là, bon aspect pour vous régénérer, pour sublimer un manque. Ça peut être dans le domaine professionnel, encore une fois, signe de terre, mais pas que. Ça peut être dans votre quotidien, certaines tâches à faire, trucs à revoir qui vous permet de vous sentir satisfait en vous-même pour réparer certaines choses qui peuvent être importantes. Ça peut être au niveau de la santé, par exemple, qui peuvent être positifs à ce moment-là. Donc à suivre, hein, selon votre thème, encore une fois. Soleil carré nœud nord en bélier du 1er janvier au 24 juillet. Donc là, aspect de tension un peu compliqué, peut-être pour l'évolution personnelle du chemin de vie, comme on dit. Donc il peut y avoir une période de ces premiers mois, là, premier semestre, qui est un peu compliqué pour avancer sur son chemin de vie. Donc il y a peut-être un besoin de s'affirmer, mais avec difficulté, hein, avec ce carré. Donc bon, à voir, hein, c'est pas forcément dramatique, mais il peut y avoir des choses à. Il faudra se battre peut-être pour arriver à se faire entendre, se faire valoir. Et enfin, Soleil carré Chiron en bélier du 1er janvier au 23 juillet. Attention encore une fois au risque de conflit, ça peut donner créer des blessures physiques ou morales, mentales. Il peut y avoir des choses qui vous touchent, qui vous blessent personnellement. Donc attention à ce qui peut être fait, ce qui peut être dit. Ça peut être des conflits avec l'autorité qui vous minent un peu le moral, un homme, un père, un mari, que sais-je. Donc voilà, soyez prudent aussi dans ce qui peut être fait, ce qui peut être dit. Voilà, donc j'ai terminé pour le deuxième décan. Donc maintenant, on va passer au troisième décan du signe du Capricorne. Et donc enfin, donc le troisième décan du signe du Capricorne. Donc votre influence cette année, donc vous aurez Soleil conjoint à Pluton en Capricorne, donc du 1er au 21 janvier et du 2 septembre au 19 novembre. Donc un aspect important hein, qui termine un cycle, on va dire, surtout pour les derniers natifs, donc ceux qui sont nés en fin du signe du Capricorne, donc le 20 janvier, 19, 20, 21 janvier, on va dire. Surtout vous qui serez impacté, où vous aurez cette dernière conjonction à Pluton, on va dire, voilà, qui va terminer un cycle sur vous, pour voilà, un nettoyage complet peut-être de votre vie, des choses à revoir dans votre vie qui a dû soit être salvateur, plutôt positif pour vous, un changement positif,
ou selon si la conjonction a reçu des mauvais aspects, un aspect plutôt compliqué, avec des profondes remises en question, des choses peut-être difficiles à revoir, alors, ça peut être sur le plan professionnel, mais sur d'autres domaines de vie également. Repartir sur de nouvelles bases, donc surtout à partir de l'année prochaine. Hein. Donc voilà, donc ça c'est un aspect majeur, je dirais, de cette année. Ensuite, vous avez Soleil sextile Neptune en Poisson toute l'année, donc très bon aspect pour l'intuition, pour capter, pour avoir un fort ressenti. Donc n'hésitez pas à utiliser vos antennes, hein, votre petite voix intérieure, vous serez vraiment aidé durant cette année. Hein, vous arriverez à trouver, être sur la même longueur d'onde qu'autrui, par exemple, ou ressentir les choses, les êtres, les personnes, que sais-je. Donc beaucoup d'intuition. Ça peut être bien pour, par exemple, l'artistique aussi, par exemple, mais pas que, hein, ça peut être bien dans plein de domaines où vous serez guidé. Ensuite, Soleil Trigone Uranus en Taureau du 14 mars au 31 décembre. Donc là, encore une fois, très bon aspect pour voilà, sortir un peu des sentiers battus, être plus original, revendiquer une certaine liberté, vous sentir plus libre, trouver des solutions à des problèmes de manière intelligente, voilà, qui permettent de vous différencier. Et il y a quelque chose de très, très intéressant à ce moment-là, donc n'hésitez pas à saisir ces opportunités à ce moment-là. Soleil Trigone Jupiter en Taureau, ensuite du 14 avril au 25 mai. Donc encore une fois, très bon aspect pour des projets, pour vous sentir gratifié, avoir des honneurs, vous sentir enthousiaste, avoir des opportunités sur le plan matériel, professionnel ou financier, mais dans d'autres domaines éventuellement de votre vie, hein, selon votre thème. Donc vraiment, très bonne année par rapport à ça. Ensuite, Soleil quinconce Jupiter en Gémeaux du 11 septembre au 31 décembre. Donc pareil, avec des bons influx comme ça, on peut se sentir un peu pousser des ailes. Et peut-être parfois en faire un peu trop par la suite. Donc là, il peut y avoir beaucoup du coup d'échanges, de communications qui peuvent se faire un peu à ce moment-là. On peut parfois un peu parler un peu trop. Il faut tourner cette fois sa langue dans sa bouche parfois avant de parler, ce qu'on peut des fois un peu le regretter. Mais c'est voilà, c'est léger, hein, c'est des petites choses mineures. Donc c'est pas très important. Ensuite, Soleil conjoint Mars en Capricorne du 1er au 13 février. Donc là, bonne énergie pour agir en fonction de vos buts, de ce que vous voulez entreprendre. Hein. Mars en Capricorne, il est exalté. Donc cette planète est très bien dans votre signe. Donc là, vous vous sentez avec une énergie, je dirais, très puissante, très de feu, très efficace, très pragmatique en Capricorne. Donc vous allez au bout des choses de manière persévérante, de manière endurante. Vous prenez à bras le corps les problèmes et vous lâchez pas d'un iota les objectifs fixés. Donc là, c'est vraiment très bonne énergie pour vous. Alors, selon aussi si cette conjonction reçoit aussi des bons aspects, parce qu'ils peuvent recevoir aussi des mauvais aspects. Donc, à voir aussi selon votre thème. Hein. Donc, parce que dans le pire des cas, là, du coup, ça peut faire des blocages, des crispations et des conflits. Donc, à voir. Soleil sextile Mars en Poisson du 18 au 30 avril ensuite. Donc la bonne énergie là pour agir en fonction de vos idéaux, de vos ressentis. Donc vous voudrez vous battre pour certaines causes. Et là c'est très positif pour agir en ce sens. Donc soyez suivez votre petite voie intérieure, là vous serez aidé pendant cette période. Soleil carré Mars en Bélier ensuite du 27 mai au 9 juin. Donc là attention en revanche, attention aux disputes, aux querelles, à l'agressivité. Bélier, Capricorne, c'est pas des signes trop complémentaires. Donc là, il peut y avoir la fougue et le dynamisme du Bélier qui vient se heurter à la prudence et la réserve du Capricorne qui peut rentrer en conflit, donc des conflits d'autorité, d'ego. Donc à faire attention à ce moment-là. Soleil, Trigone, Mars en Taureau ensuite du 7 au 20 juillet. Donc là, très bon aspect pour agir dans des manières matérielles, de manière concrète, hein, de façon productive en Taureau. Donc ça peut être pour des biens matériels, financiers, mais pas que, selon votre thème, ça peut être dans d'autres domaines de vie. Donc très bonne énergie là, utilisée dans tous ces domaines-là. Ensuite, Soleil quinconce Mars en Gémeaux du 20 août au 4 septembre. Donc là, légère tension, encore une fois, dans les idées que vous voulez mettre en place. Vous avez peut-être des idées pratiques, malines, astucieuses. On peut agir aussi pour des proches, des voisins, des frères et sœurs, des cousins, cousines, que sais-je. Donc ça, parfois il peut y avoir des petits désaccords, des petites choses comme ça, mais c'est très léger. Ensuite, Soleil opposé Mars en Cancer du 12 octobre au 4 novembre. Donc là, attention une fois de plus à une tension nerveuse, des conflits, des querelles, des disputes qui peuvent avoir lieu, des conflits d'ego. Ça peut être en rapport à des choses qu'on veut faire de point de vue au niveau, ça peut être dans la famille, au niveau familial, dans le foyer.
à la maison ou autre, mais ça peut être aussi dans son ressenti. Hein, Mars en cancer, c'est en chute, hein, on agit en fonction d'un ressenti, alors c'est pas toujours très réaliste. Donc ça peut parfois vous décontenancer, ou vous pouvez parfois un peu suivre vos émotions parfois, et c'est vrai que là, du coup, faire attention parce que ça peut être mal vécu. Et enfin, Soleil sextile Lune noire en Vierge du 1er avril au 29 juin. Donc ça, c'est un bon aspect de réparation sur un plan karmique, un plan psychologique. Où vous sentez plus, on va dire, une réparation peut-être au niveau de la santé. Il peut y avoir des choses comme ça qui peuvent être importantes. Ça peut être au niveau du travail. On peut sublimer certains manques. Il peut y avoir un côté réparateur en vous-même, dans votre personnalité, par rapport à des choses que vous mettez en place, par rapport à une rigueur intellectuelle, par rapport à, voilà. Diverses choses hein, selon votre thème, hein. Ça peut être tâches ménagères, tâches quotidiennes, ça peut être des choses qui vous permettent de vous sentir plus comment dire, plus alerte, plus concret, plus analytique et plus à même à vous sentir en adéquation, en fait, en vous-même, quoi. Ça fait une réparation, en fait, de l'âme. Alors, je sais, c'est assez abstrait, mais il faudrait voir après dans votre thème respectif pour avoir plus de précision. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé les trois décans du signe du Capricorne. Si cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me consulter si vous le souhaitez pour avoir plus de précisions sur votre horoscope 2024. Et voilà, vous avez toute la description sous la vidéo pour me contacter. Et quant à moi, bah, je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo pour l'horoscope du signe du Verseau. Je vous remercie, au revoir.